au Maroc, les activités vont rester séparées. Les deux opérateurs vont continuer à fonctionner en tant qu'entités distinctes. Côté transfert du capital, les deux assureurs détiendront conjointement le contrôle de Sanlam Alliance Africa par le biais de leurs entités Sanlam Emerging Markets Proprietary Limited et Alliance Europe. Cela entraînera une acquisition indirecte par Sanlam Alliance Africa des activités de Sanlam et Alliance au Maroc. Faut-il le rappeler, le Conseil de la concurrence avait précédemment exprimé des préoccupations quant aux effets anticoncurrentiels potentiels de cette fusion. En réponse, les deux compagnies ont soumis des engagements pour remédier à ces problèmes, notamment en restant concurrentes sur le marché marocain de l'assurance pendant une période transitoire et procéder in fine à l'intégration de leurs activités. Alors aujourd'hui, il subsiste des incertitudes quant à l'issue de cette fusion au Maroc. À terme, y aura-t-il vraiment une fusion effective des activités de Sanlam et Alliance ou pas? On pense dans ce sens à deux scénarios. Le premier étant que les deux assureurs seraient en course et seraient en train d'œuvrer vraiment pour respecter leurs engagements envers le Conseil de la concurrence. Le deuxième constat ou scénario pousse à croire que le Maroc serait définitivement exclu de la fusion des activités commerciales et opérationnelles de Sanlam et Alliance. Un dossier à suivre de très près au vu de l'importance du marché marocain pour les deux opérateurs.